Salut à tous, salut et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série. Voilà, que je prépare depuis assez longtemps. Voilà, c'est une petite série que j'ai eu avec la salle. En fait c'est une petite idée que j'ai eu avec la salle. En gros c'est simple, alors pour ceux qui savent un peu, qui savent un peu mes séries, j'ai fait une série où je faisais 24 heures riche vs 24 heures pauvre sur GTA 5, où je faisais millionnaire etc. Sauf qu'en fait sur GTA 5 tout simplement online on était un peu limité. Donc je me suis dit écoute, pourquoi pas faire la même chose sur GTA 5 PC. Et aujourd'hui nous allons passer 24 heures, enfin du moins dans la vie d'un millionnaire, un milliardaire même dirais-je, sur GTA 5. Et franchement les gars, vous allez kiffer. Donc le premier épisode de la série, c'est simple, on va visiter une de mes maisons, parce que j'ai de nombreuses maisons de blindés quoi, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai des voitures, j'ai acheté des voitures et tout. Enfin voilà, vous allez voir tout ça dans cette nouvelle série. J'espère que vous kiffez. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous kiffez la nouvelle série, à vous abonner, activer la cloche. Voilà, hop, j'attends que tu actives la cloche. C'est bon, t'as activé la cloche, là j'ai vu. Et du coup, à me suivre sur mon Instagram. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode dans les commentaires. Et c'est parti, je prends ma caméra, chpa, hop, on est ready. Et donc du coup, je suis avec ma Bugatti Chiron que je vous ai présentée tout simplement dimanche sur ma chaîne, qui est juste ici. Et juste derrière moi se trouve ma maison les gars. Donc c'est le premier épisode, visite de ma maison. Et ensuite il y aura pas mal de choses qui tournera autour de ça. En tout cas n'hésitez pas à me donner aussi des idées dans les commentaires, en plus de mettre votre petit commentaire épisode 2. Et puis c'est parti. Waouh. Ah ouais. C'est quoi de ça? Là c'est trop. Shit de shit. Par contre j'ai juste changé la couleur de la voiture. Ok, du coup je viens de changer la couleur de ma voiture les gars. Et c'est parti, on va rentrer. Waouh, ah ouais, c'est trop là. Laisse tomber. Là c'est vraiment beaucoup trop pour moi. Je vais me garer ou est-ce que vous voulez que je rentre dedans? On dit quoi, je vais me garer dedans? Oh, j'ai fait installer une route, c'est pour l'utiliser. Ah ouais, c'est chaud, elle est vraiment magnifique ma maison. Attention, je vais rentrer dedans. Bien évidemment, j'ai mon personnel qui travaille aussi. Bonsoir, voilà, j'ai mes gardes du corps et tout. J'ai aussi mes autres voitures qui sont garées. Hop, magnifique. C'est pas magnifique ça les gars, c'est pas magnifique. Ok, du coup je vais pouvoir garer ma voiture. Parce que j'ai tellement de voitures, j'ai même plus de place pour garer les autres. Voilà, hop, on va la mettre comme ça. Hop, on est pas mal. Ok. Du coup, au premier étage, nous avons mon garage avec tout simplement toutes les voitures que j'ai. Donc, on a cette première voiture qui est, ma foi, très très belle. Donc, c'est une sportive. Ensuite, les gars, on retrouvera ici ma XA21 en vert. Voilà, qui est juste trop belle. La Wagner, qui est pas mal aussi. Ici, je sais plus c'est quoi. Donc, c'est une Lamborghini. Hein. Je sais plus c'est trop exactement laquelle. Donc, c'est Pegasi, je crois. Ouais, qui est pas mal aussi. C'est une Grotti. Hein. Elle est vraiment belle aussi. Je sais plus exactement c'est quelle catégorie. Et enfin ici. Ah ouais, elle est belle aussi celle-là. Celle-là c'est une de mes préférées aussi. C'est là. Alors attendez, c'est là. Voilà, Vision, pardon. Là j'avais oublié le nom. Donc la Vision. Voilà. Donc voilà un peu tout ce qu'on a au premier étage. Donc on a aussi toute une. Enfin, pas une piscine, je dirais plus un sort de petit lac. On va pas rentrer dedans, mais voilà, c'est. Une petite déco, un petit fleuve quoi. Je voulais mettre un petit fleuve autour de ma maison. Donc je vous présente Mousse ici présent et Lydia. Voilà, Mousse et Lydia qui sont juste ici. Voilà mes deux gardes du corps. Hop, on en a encore bien évidemment au deuxième étage, encore des gardes du corps. Parce que bon, c'est une maison quand même de milliardaires. Enfin, je veux dire, je suis milliardaire, je peux me permettre d'avoir plusieurs gardes du corps. Donc encore un ici. Voilà. Donc lui il s'appelle Filou. Ok, c'est parti, alors visite de ma maison. Du coup on arrive ici. Et ici qu'est-ce qu'on a? Notre petite salle de billard qui est ma foi très très belle. Alors je vous le dis, je visite en même temps que vous hein. Donc j'ai vraiment pas visité la maison encore une fois. Ah ouais, stylé les queues de billard. Les queues de billard. C'est ma maison mais en fait voilà, je viens de l'acheter. Donc forcément j'ai pas encore pu visiter. Il y a mon artiste designer et mon architecte qui ont travaillé dessus. Le petit jeu de fléchette. Voilà. Donc, en fait, c'est tranquille. En fait, tu peux te poser. Bon, par contre, voilà. Si tu veux mater la télé, que tu te mets ici, c'est pas trop bien installé, on va dire, pour regarder si jamais il y a des gens qui jouent au billard, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre au premier étage? Ah, il y a encore une télé. Ah, ouais. Ok, là, il y a le petit salon. D'accord. Un autre salon. Du coup. Voilà, le petit salon avec la télé, la petite chaîne IFI, tout, tu connais. Ici, si jamais on a envie de manger des fruits,
Bah forcément pour les invités, ils aiment bien parfois manger des bananes, des oranges, des trucs comme ça. Des pommes, bah on en a juste ici. Voilà. On a pareil de l'autre côté, encore des bananes. Parce que bon, j'ai de nombreux invités et tout, donc c'est un peu compliqué de nourrir tout le monde, mais ça va, on réussit à les nourrir. Et ici, on a un petit bar. Alors, je vais mettre en rare personne. Voilà, donc ça c'est... Voilà, l'alcool, je rappelle, est dangereux pour la santé. À consommer avec modération, les gars, surtout pendant le confinement. Donc, du coup, voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est de la vodka qui a tout droit été importée de Russie. Hein. Ici, on a encore des petites bières, des petits sodas. Voilà, il y a des petits sodas aussi juste en bas là. On a pas mal de choses. Et surtout, on a cette magnifique vue. Donc, vraiment, c'est un penthouse. Hein. C'est vraiment, bah, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un penthouse, c'est vraiment des baies vitrées partout. Ça, c'est le mot d'ordre que j'ai donné. Et forcément, en fait, de l'autre côté, les gens me voient pas. C'est-à-dire qu'en fait, là, du côté-là, moi, je vois ce qui se passe. Donc, j'ai la magnifique vue. On a une magnifique vue sur la mer et tout. Donc, regardez là-bas. On a la vue sur l'eau et tout. Mais eux, les gens ne peuvent pas me voir. C'est-à-dire que c'est des vitres teintables. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des vitres qui ne peuvent pas être vues. Voilà, donc ça, c'était le premier étage. Ensuite, on va aller au deuxième étage. Deuxième étage qui est vraiment stylé aussi. Donc forcément, je suis blindé, je veux dire, j'ai plein d'employés. Oh. Bonsoir, voilà, j'ai des invités hein, qui sont là. Bonjour, monsieur. Ça va, Mousse, depuis le temps? Ouais, il va bien, il va bien, il parle pas trop. Ensuite, ici, on a au bar, on a bah, Michael, forcément, le poteau Michael. Bah voilà, il vient souvent chez moi de temps en temps et tout, je l'invite de temps en temps. Donc il est tout le temps chez moi. Donc ici, on a aussi, bah c'est, lui, c'est le, alors il me semble que c'est le chef de banque. Et on a ma magnifique, forcément, serveuse. Je vous la présente, attendez. Voilà, c'est ma serveuse. Elle est vraiment belle. Hein. Je sais qu'elle est belle. En plus, elle, est, voilà, elle a un petit volume et tout, donc c'est pas mal. Voilà. Et forcément, donc là, c'est un, alors ça, c'est un joueur de l'équipe Feud. Donc c'est un très, très grand baseball man qui m'a donné ce... Bah, qui m'a, enfin, tout simplement signé son maillot. Et du coup, je l'ai fait encadrer. Voilà. Donc, encore une fois, on a le petit salon. Juste ici. En fait, c'est une grosse stuff là. Ouais, d'accord, il y a DJ et tout. Donc, en fait, c'est une fête improvisée chez moi. Ah ouais, d'accord, il y a des meufs bizarres. On a une télé. Avec des petits poufs et tout. Un petit canapé. Vraiment, vraiment stylé ce canapé, par contre, j'aime bien. Voilà. Encore un canapé ici avec une fille. Donc, lui, il a l'air de se faire plaisir. Ah bah, lui, il est bien. Lui, il est totalement en esprit, lui. Ça se voit qu'il kiffe. Lui. Il me semble que lui, c'est un personnage aussi très connu dans GTA V, pour ceux qui ont reconnu. Alors, ensuite ici, on a encore des meufs, hein, forcément. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il y a des meufs de partout. Wesh, Jimmy. Oh, Jimmy, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'invites à ma soirée et tout? Bon, ça doit être son père qui l'a invité. On a Tracy. Wow, Tracy, elle est trop belle. Hello. Et enfin, ici, encore le DJ. Donc forcément, le DJ, j'ai mis une télé en fait derrière. En fait, c'est une télé qui fait aquarium, en fait, si vous voulez. On a l'impression que c'est une télé, mais c'est pas une télé, c'est un aquarium. Et dedans, c'est pas des poissons, c'est des aliens. Donc en fait, c'est des aliens. En fait, là, voilà à quoi ils ressemblent, les aliens. Je vais vous montrer. Et forcément, donc là, on a Nino. Pour ceux qui connaissent le rappeur Nino, qui a mis son disque d'or ici. Merci à lui, d'ailleurs. Et voilà, donc derrière, comme je vous ai dit, on a ce... Et là, pareil, on a encore deux disques d'or ici. Donc là, c'est PNL et... Ici, c'est Booba. Voilà. Et il y en a... Ah oui, il y en a encore là-bas. Il me semble que je sais plus c'est qui, lui. Ok. Je sais plus c'est qui, lui. Ah, si, c'est bon. C'est Tupac, ouais. C'est Tupac, voilà. On a 4 disques d'or. Ensuite. Alors, ici, on a ma salle de bain. Ma salle de bain magnifique, hein, qui est juste incroyable. Voilà. Douche à l'italienne. Bon, qui n'a pas encore été installée, malheureusement. Qui a pas encore été installé. On a la baignoire. Et c'est, bah, franchement, c'est moi que je me... En fait, moi, des fois ici, je me pose ici. Et c'est cette vue, quoi, qui est incroyable. On a une vue sur Vinwood, sur la grande roue qui est juste là-bas. Et ça, c'est beau. Voilà. Et ici, donc, on a mon petit lit. Donc ça, c'est ma petite chambre. Hein. C'est mon petit côté, ma petite suite parentale. Et forcément, bah, là où je fais mes vidéos, quoi. Donc ici, mon setup avec 3 écrans. Donc c'est là où je bosse, quoi. Ensuite, on a quoi ici? Des toilettes. Voilà, donc forcément, il y a un petit problème au niveau de l'architecte. Hein. Je crois qu'il a mal fait la porte.
Voilà, donc forcément, donc en fait, moi, normalement, c'est l'inverse, mais là, bon, là, je la tire, et après, du coup, je la re-ramène vers moi pour fermer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre, les gars? On a ici, donc, quand je vous ai dit le DJ, tout ça, on a une autre salle là-bas, on va aller la visiter. Hop. Donc là, c'est la même chose, donc c'est encore une chambre avec une suite, pareil. Donc ici, c'est les toilettes, voilà. Donc encore une autre pièce. Donc là, en fait, on a une vue sur le sur la maison. Donc voilà. Donc ça, c'est la chambre de mon fils, la salle. Du coup, là, j'ai un fils qui s'appelle la salle. Et du coup, là, c'est sa maison. Donc pareil, lui il voulait plutôt la vue sur les bâtiments. Même si, bon, il a une vue sur la mer et tout, il préfère cette chambre. Donc je sais pas quelle chambre vous préférez dans les commentaires, la mienne ou la sienne, mais elle est pas mal aussi. Donc lui, par contre, c'est un très grand consommateur de champagne. Voilà, donc il y a du champagne ici. Ensuite, les gars, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et oui, vous dites, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette magnifique maison? On a encore des petites pièces, et oui, forcément, les gars. Parce qu'on est venu d'ici, je rappelle, on est venu d'en bas. On a une pièce ici. Donc ça, c'est des toilettes. Hop, ici, on a notre petite salle de sécurité. Donc ça, c'est la salle... En fait, je vous explique, parce que mes gardes du corps, ils voulaient une salle pour eux. Là où ils peuvent se reposer, où ils peuvent checker les caméras, ils peuvent en fait, tout simplement stocker leur arme et tout. Et on a aussi la machine, donc les serveurs. Donc forcément, vu que voilà, j'ai besoin de la fibre et tout, donc c'est là où je stocke tous mes serveurs, toutes mes données. Ici, on a quoi d'autre, les gars? Ah bah voilà, c'est la femme de ménage. Moi, là, elle est en pause. Salut, Micheline, elle s'appelle. Donc là, elle est en pause. Hein. Voilà, c'est ma gouvernante, quoi, donc qui est là. Voilà, ensuite, l'autre côté, les gars. Alors ici, je voulais vous montrer, voilà, ici, normalement, il y a un ascenseur qui va être mis en place bientôt, donc c'est pour ça, en fait, voilà, c'est l'ascenseur. Voilà, et donc, du coup, on est directement en bas. Mais ça, je vous montrerai après. Voilà. Hop. Donc, comme je vous ai dit, quand on arrive ici, on a notre salle de cinéma qui est incroyable. Oh, ah ouais, la salle de cinéma, elle est trop belle. Donc, on a préféré un écran sur le long. Et en fait là, comme vous le voyez, on n'a pas enfin on n'a pas fait descendre l'écran jusqu'au bout, mais il peut encore descendre. Donc ça c'est la salle de cinéma avec le petit bar, tranquille si vous voulez vous poser. Ensuite, quand on arrive ici, on a encore une fois deux portes. Donc là, on a ma salle de musculation. Donc voilà, si jamais vous voulez taper et tout, hop, voilà. Voilà. Hop, ici on a encore une chambre avec salle de bain. Franchement, la maison est vraiment très très grande. Ah ouais, c'est trop. C'est magnifique. Donc voilà la petite maison. Hop, petite chambre avec la salle de sport. Et ici, on a une salle de réunion avec cuisine. Voilà. Donc ça, en fait, c'est quand mes employés, en fait, ils sont en pause. Donc ils viennent manger ici tranquillement. Ils sont bien. Ils sont vraiment très très bien. Ils sont vraiment très très bien. Alors, ensuite ici, on a encore une chambre qui est magnifique aussi, donc voilà, avec ce petit canapé, ce petit salon, et encore une setup qui est juste, ma foi, incroyable, avec ce petit tableau aussi que j'aime bien. Donc voilà, là, c'est une des filles, voilà, j'en dirai pas plus, mais voilà, vous connaissez un petit peu, quoi. Et du coup, forcément, ici, on a encore une chambre, enfin, on a encore, pardon, une salle de bain, qui est incroyable aussi, qui est géante. Voilà, ensuite on arrive ici à mon bureau, les gars. Le bureau, waouh, ah ouais. Je sais pas si vous kiffez la maison, les gars, mais elle est juste vraiment trop grande et trop belle. Donc voilà, c'est encore le salon. Il y a tellement de trucs à visiter. Voilà, la salle de bain ici, et on a une autre porte juste là. Voilà, donc c'était la porte qui mène juste ici. En fait, vous pouvez accéder soit par là, soit par là-bas. Et ensuite, là, donc, une fois qu'on a visité tout cet étage, on va se diriger vers l'ascenseur qui va nous ramener on the top of the villa. Et voilà. Oh là 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 là. C'est trop. C'est trop, c'est vraiment trop. Donc ici, on a mon héliport. Donc j'ai deux héliports. Avec mes gardes du corps, du coup, qui forcément qui se réveillent. Voilà. Encore une fois ici, mes petits poteaux. Alors voilà les gars, ici ça c'est mon hélicoptère, donc encore un héliport, et c'est l'hélicoptère le plus cher du monde, donc c'est un hélicoptère en or. On a des petites statuettes et tout. Et enfin pour finir,
cette magnifique piscine qui est juste incroyable. Et voilà, encore mes employés qui travaillent, qui sont en pause aussi, hein, forcément. Et regardez la vue qu'on a. La vue de fou qu'on a sur la ville qui est juste, ma foi, incroyable. Donc ça, c'est la vue qu'on a. Et je vous ai pas montré aussi le terrain de basket. Voilà, le petit terrain de basket. Avec, encore une fois, les petits poufs ici que je vous ai montré juste avant. Donc voilà, voilà à quoi un peu ressemble ma petite maison. J'espère tout simplement que vous kiffez la maison, les gars. On va faire un petit saut en parachute pour finir. Voilà. Elle est juste très belle. Je vais vous la montrer, la vue qu'on a d'en bas. Voilà, parce que je suis parachutiste professionnel. Donc là, c'est-à-dire que, hop, shit, j'atterris dans ma maison. Donc voilà comment elle est. Elle est, waouh, c'est trop. C'est vraiment trop. Donc du coup les gars, on arrive à la fin du premier épisode de la série. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. J'espère que vous avez kiffé ma maison, ma première maison que je vous fais visiter. Parce que j'ai d'autres maisons, j'ai d'autres idées. N'hésitez pas à me donner des idées que vous voulez que je fasse dans les prochains épisodes. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche. Et à me suivre sur mon Instagram encore une fois. Parce que sur Instagram, je spoil des choses, j'annonce les lives et tout. Parce que oui, pour ceux qui savent pas, je fais des lives. Généralement les lives c'est 20h, 21h, ça dépend des jours. En tout cas voilà, aujourd'hui c'était la visite de ma maison, c'était Unwin le milliardaire et moi je vous dis au bye, au bye, au bye, au bye, au bye.